Hey yo, c'est Eclipse, EKA, LIPS, schizophrène, schrap, pour parler vous se frande. Big up. Alors au tout départ, je me suis mis à faire du human beatbox. D'abord fait du beatbox, je kiffais juste la musique. Je connaissais même pas encore vraiment le rap. Enfin si, je dis tout le temps ça, j'étais déjà en train de faire des petits smurfs sur le divan en 84. Je regardais Sydney sur téléphone, je m'en souviens. J'avais pas tout de suite envie d'écrire moi-même mes lyrics. C'est pas venu comme ça, donc comme je kiffais le rap, je m'amusais à écouter ça et à refaire, à les apprendre par cœur. Et du coup, j'arrivais bien à faire les flows. Après, avec les années, quand ma voix elle a mué, je suis aperçu que j'arrivais à bien faire les timbres de voix. Donc voilà, je développais ça. Le beatbox, c'est une imitation de la musique, la rythmique. Du coup, je me suis mis à imiter aussi les flows des musiques que je kiffais. Et après, j'ai fait mon truc et du coup, j'ai tout mélangé. Au tout départ, quand j'étais sur Paris, donc c'était en mode open mic. Forcément, le beatbox, ça sortait du lot, donc c'était des interludes, mixtapes, nanana. Et après, au fur et à mesure des contacts, des gens qui me voyaient sur scène. Des fois, voilà, on m'a appelé pour faire un doublage de dessin animé. On m'a déjà fait des voix de pub, des jingles, des trucs. Oh non, c'est cool, ça permet de voir, ça enrichit le truc. Je vois des autres mondes. Et à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de faire un show. Donc, je veux l'énergie d'un concert, performance, mais tout seul. Donc, c'est un one-man show musical. Explosif. Suer sur scène, faire un putain de show, essayer de rendre fou les gens, c'est mon but premier déjà. Après, on est obligé de faire du studio pour faire des morceaux, pour ensuite les faire sur scène. Donc là, j'arrive avec un projet qui s'appelle Schizophrène Rap, c'est un EP où je me suis amusé à faire moi-même les featuring. Le crime paie, mais tôt ou tard, tu paies pour ton crime. La dream team réunie sur un track, voilà pour faire les... C'est moi qui ai fait tout ce travail-là de dire aux gens imitation, imitation, beatbox, beatbox, c'est le truc qui sort du lot. Donc en fait, je me sers de ça pour faire du bruit. Après, à moi de faire un nouveau challenge pour t'imposer vraiment mon truc. Venir plus tard avec un album, c'est mon délire. Pas d'imitation, quelques vrais featuring. Ce sera de la musique urbaine, tu vois. Et moi, je suis ouvert même à faire des trucs électro et tout. Je suis ouvert à tout, moi. Tant que je kiffe, tant que c'est... Je pense que c'est moyen de faire un bon petit micmac.